Ok. Oh, j'ai un visuel. Ok, je l'ai. T'es prêt? Salut. Excuse-moi de t'embêter, mais je me suis coupée en cuisinant et j'ai plus de pansement. Tu crois que tu pourrais me dépanner? Ouais, bien sûr. Je dois avoir ça quelque part. Et c'est marrant parce que j'étais justement en train de cuisiner moi aussi. Je vois ça. Je t'en prie, vas-y, rentre. Merci beaucoup. Marius, c'est ça? Ouais. Emma, enchantée. Enchantée, Emma. Oh, les bâtards. Bon, attends, tu y vas? Ouais. Un, deux... Non, attends. Ouais. C'est toujours moi qui vais. Pourquoi ce serait pas toi d'y aller, là? Mais tu y vas parce que c'est la procédure, c'est tout. Il est con, celui-là. Non, c'est toi qui vas. Merde, c'est toi qui vas. Non, toi qui vas. Merde. Putain. Prouti. Alors, tu veux avouer, c'est ça? Eh ben voilà. Là, on va pouvoir parler. Eh ben, je t'écoute. Ok. Alors, ce que je veux, c'est ma liberté conditionnelle. Et puis un asile au Mexique. Un droit d'asile au Mexique. Un droit d'asile au Mexique. Ah ouais, putain, un droit d'asile au Mexique. C'est pas mal, ça, un droit d'asile au Mexique. C'est bon. Faites entrer le débile. Bonsoir. Pardon, vous allez trouver ça super bizarre, mais... Est-ce que je pourrais dormir chez vous ce soir? C'est ma femme. Non, désolé. Bonjour. Bonsoir. De bonnes nouvelles, j'espère. Là, oui. Toujours les mêmes promos pour les jambons de Bayonne et les fromages chèvres, mais bon. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Alors dites-moi, monsieur Ravel, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? La vérité, c'est que c'était Juliette, mais en vrai, ça aurait été n'importe qui. J'en avais rien à foutre. C'est Lucie, elle me manque tellement, putain. Lucie, elle me manque tellement, je sais pas comment faire.